Le cartographe se comporte comme si la transmission provenait de toute la planète en même temps. On ne peut pas trianguler le signal de l'Infinity. Ça y est. Je l'ai. C'est impossible. Recommencez. Nous avons déjà traversé une couche de la surface planétaire. Il n'est pas impossible que quelqu'un ait pu réussir à descendre plus profond que nous. La planète serait creuse. Voyons voir si je peux trouver un moyen d'arriver sur ces coordonnées sans qu'on ait à creuser un énorme trou. Terminus se trouve à l'opposé du complexe. De là, on se téléporte vers le noyau de la planète. Quoi ? Je sais pas. Si on a une chance de vous ramener sur l'Infinity, on tente le coup. Ok. Allons à Terminus pour trouver l'Infinity. Que savez-vous de l'Infinity ? Pas grand-chose. Il devait être immense, mais ce n'était qu'un prototype quand nous sommes partis.
va avoir de quoi s'occuper. Les élites viennent juste de donner l'ordre à toutes leurs équipes au sol de sécuriser l'entrée de la tour au-dessus de nous. Sentinelles tentaient d'empêcher les Covenants d'entrer. Pendant que vous étiez occupés, j'ai capté une autre transmission de l'Infinity. Qu'il a dit artefact. Je me demande si ce n'est pas lié à ce que cherchent les Covenants. Où est Terminus? D'après la carte, il se trouve en haut de la tour.
détecte une forte activité Covenant à proximité de Terminus. Nous ferions mieux d'y aller avant qu'il ne devienne encore plus fréquenté. D'après la cathédrale, la station Terminus ne serait rien d'autre que le nœud d'une grille de transport entourant la planète entière. Quoi ? Quand j'ai voulu accéder au nœud le plus proche des transmissions de l'Infinity, voici ce que le système m'a renvoyé. C'est quoi ? C'est un glyphe. Le symbole Forerunner pour dépositaire. Les hommes. Ce doit être l'Infinity. On peut rejoindre ses coordonnées ? J'essaie d'ouvrir un portail. Cortana. Je détecte des signatures énergétiques inconnues. Où ? C'est pas possible ! Placez un repère sur la tour. Cortana. Vite, au portail! Major, vite! C'était quoi ces choses ? On dirait des...